Faudra pas que je l'oublie, quoi. Hein? この辺りは不思議と怪物の気配がない。いい場所に隠れていたな。マグラの淀みが一番少ない部屋を選びました。ムツタリの3の目はマグラの流れが見えるのです。それよりなぜあなた方が。エディンに頼まれて君を助けにな。島の兵隊の代わりだ。兄は無事なのですね。 お言葉には甘えます。島のため、どうか儀式のお手伝いを。待て、生贄の手伝いなどごめんだぞ。お主は連れて帰る。君の兄上にそう頼まれた。嘘だと思うなら、自分で直接聞いてみるといい。まさか兄が。どうしてそんな。実の妹に死んでほしくないって思うのは、そんなおかしなこと？ 無駄ってどうなるのです。島ではマグラが乱れ、海の怪物やおかしくなった家畜に皆苦しんでいる。沈めなければ。私が逃げとなれば、私一人で済むのです。大した覚悟だ。元騎士としては頭が下がる。だが命は意味のあることにかけるべきじゃないか。 本当に竜神様とやらのせいなのか。でも島に起きていることはこの神殿を包んでいる異常とまさに同じもの。俺たちは同じ現象を他の土地でも見てきた。ここだけで起きてることじゃないんだ。そんなことを言われても私は。ならこうしましょう。儀式の祭壇まで 安全に連れていく。場所は知ってるのよね。それはまあ、奥で実際何が起きているのかお互い自分の目で確かめましょう。そこにある槍に私たちも用がある。確かにここで立ち止まってる意味はないな。それでいいか。ああ、構わない。 竜神の槍に何のご用が。いえ、逃げとなる私が気にしても仕方ないですね。兄が使わした皆さんを信じます。それに私の3の目はマグラは特別よく見えるようなのです。皆さんにはとても珍しい流れが見える。まるで古い伝承に残る英雄たちみたい。もしかしてアーキタイプのこと？これは期待を裏切れないな。よし、慎重に進んでいこう。じゃあ Dragon de sol ou de mer? Dragon de sol? C'est pas mal ça. J'utilise le type fée contre les dragons. Là, je suis mauvais à Pokémon. Enfin, je connais pas Pokémon. J'ai essayé, mais je crois que j'accroche pas assez. Peut-être quand ils mettront des adultes, ton personnage principal, ou en tout cas un adolescent, jeune adulte. Bon, c'est pas encore le boss, mais je sens que je vais changer de classe et il va être juste derrière une porte. Ah tiens, ça je peux me le faire. Si je mets l'explorateur magicien,
Et l'autre, normalement, elle a encore ce qu'il faut. Ça va aller. Même cela. Ok. Ouais, en fait, ils sont pas compliqués. Hein. Enfin, elles sont pas compliquées, ces orbes. Mais il faut avoir ce qu'il faut. Donc, heureusement qu'on a leur couleur avant de les rencontrer. Ce sont les soldats qui m'ont... Enfin, je pensais que ça allait être doublé. Qui m'ont escorté. Non, ce n'est pas possible. Je suis l'unique responsable. Mon expiation aura lieu lors de mon sacrifice au dieu dragon. Mais c'est quoi ce dieu dragon exactement? Quelqu'un sait ce qui le pousse à se déchaîner? Ça reste à confirmer, mais depuis que le village existe, seul le sacrifice de la prêtresse permet d'apaiser la frénésie de notre divinité protectrice. C'est une fresque. Nos origines est inscrite ici en caractères anciens. Qu'est-ce qu'elle représente? Nos origines, autrement dit celles du peuple Mustari. Si vous regardez plus attentivement, vous remarquerez que les personnes sur la peinture ont trois yeux. Ah ouais, t'as de bons yeux toi. Cette peinture représente la naissance du village. Au centre se trouve le premier chef. L'héritage de notre village, transmis et protégé de génération en génération. Pour sa préservation, moi aussi, je dois me sacrifier. Il faudrait bien qu'elle me donne son casque, il a l'air de bien protéger. Ah, des corvaux? Ça m'en a tout l'air. C'est des dents de dragon au-dessus dans la gravure. J'ai pas fait attention. Hein? Non. Non, c'est juste une décoration. Cela aussi, c'est pas les corbeaux de malheur, ceux que j'ai rencontrés tout à l'heure qui étaient absolument infâmes. C'est une fresque, naissance de la prêtresse, est inscrit ici en caractères anciens. Alors on a la prêtresse, la lance et ses ouailles. J'ai l'impression qu'on ne va pas tarder à percer le mystère qui enveloppe l'île. Ce sont les habitants du village qui ont trouvé ces ruines et rencontré le dieu dragon. C'est alors qu'apparurent les femmes chargées du rituel des cérémonies, les prêtresses. Le dieu dragon est une divinité protectrice, mais aussi un dieu impétueux et conflictuel. Parfois, sa rage considérable se retourne contre l'île. En ces temps chaotiques, la prêtresse s'offre en sacrifice. Les légendes racontent qu'en donnant sa vie pour implorer la miséricorde, elle peut apaiser l'esprit du dieu dragon. Yuffa, tu n'as pas peur de mourir? On dirait presque que tu as hâte de te sacrifier pour cette cause. Dire que je n'ai pas peur serait mentir, mais quand je pense aux habitants de ce village qui me sont chers, je ressens surtout de la fierté et de la joie. Bien, poursuivons notre chemin. Bon, les premières fresques étaient plus parlantes. Là, bon, c'est pas... Ça nous apprend pas grand chose de plus. Pour le moment. C'est interminable le phare, mais aurait dû inclure un mob spécifique, difficile à tuer comme les orbes, mais spécifique à l'XP. Il y en a peut-être, hein. Ah. Allez, on repasse sur l'explorateur magicien. Après, il a une faiblesse feu, lui, hein. C'est un peu dangereux, hein. Si c'est ça, j'aurai intérêt à le mettre en protection à chaque fois, quoi.
Ça fait un moment qu'on marche. C'est quoi ça, l'hôtel? Vous le découvrirez par vous-même, si vous voulez bien entrer. Yoshi. Où sommes-nous? Je n'ai jamais vu d'endroit pareil. Regardez ce... ce ciel. On est enfoui sous terre, pourtant il y a une voûte céleste là-haut. C'est quoi ce délire? J'ai moi-même été surprise lorsque j'ai vu cet endroit pour la première fois. Il est normal d'être choqué. Voici Shinjuku Dragon Grace. Dragon Grace. Vestige d'une ancienne civilisation. Mon peuple l'appelle la cité perdue. Une langue bien étrange. On peut dire sans trop se mouiller que ça remonte à la nuit des temps, pas vrai? Oui, nos ancêtres ont fait cette découverte en même temps que celle de la lance. Ils ont conservé le tout dans le temple. Regardez à vos pieds, ce sont les traces des prêtresses d'antan, laissées au cours de leur pèlerinage ici. En empruntant la même route, nous atteindrons l'hôtel au tréfonds de la cité perdue. Suivez les traces sur le chemin. T'as vu des traces, toi? Des fissures? Ou c'est au plafond encore? Effectivement, là, le scénario, il prend une toute autre tournure. Hein. Bah, de toute façon, avec la cinématique qu'on avait, si on attendait sur le title screen, ou qu'on passait la première, elle annonçait la couleur. Hein. Bien qu'ils font des dialogues absolument interminables, les devs chez Atlus, le script est quand même assez fou. Hein. Que ce soit sur les Persona, les SMT et maintenant celui-ci, ça va dans le bon sens. Hein. Bon là, il n'y a pas de brume, on se fait plaisir. Hein. Lui par contre, on va lui balancer la sauce, si j'ose dire. En tout bien tout honneur, évidemment. Ah d'accord. Ah mais c'était pas lui le gros méchant. Hein? D'accord. On fait un peu de tunas ou quoi? Après ils sont un peu mal placés. Hein. Maille d'albâtre. 250 et en plus tu peux le purifier. Ça va être un peu violent ça. Hein. Magie plus 5. Ouais, ouais, ouais. Ah mais ça, c'est à 260. J'avais même pas fait gaffe que j'avais un truc aussi bien. Bon, de toute façon, je peux pas le mettre à n'importe qui. Tu as combien là? 300 000? C'est déjà bien. J'avoue, je pourrais monter à beaucoup plus. Hein, mais... Calmez-vous là! Pilule! En plus, ça file des pilules! Bon, j'en ai assez. Mais je vais le laisser. Au cas où je suis pris d'une petite folie.
Si tu veux farmer ici, il y a un meilleur endroit. D'accord. C'est quoi ce truc violet en bas là? On dirait que ça se déplaçait à l'inverse de moi. Ouais, t'inquiète, c'est l'arc, merci. Au moins ça m'évite de rester là. Et de m'efforcer à gagner quelques pièces. Du coup ça je vais le détruire. Vas-y, fais spawn un coup là. Un dernier. Pour la roue. Voilà. Alors voilà l'entrée. Non, un ancien ascenseur. Il fonctionne grâce au pouvoir du magla. Il y a un chiffre dessus aussi. Il y a 4 ascenseurs dans la cité perdue. Pour atteindre l'hôtel, nous devons les prendre. Continue à suivre les traces au sol, comme jusqu'à présent. L'ascenseur menant à l'hôtel se trouve devant nous. J'aimerais bien rester en marchant en tout temps, mais je le trouve vraiment pas fameux en termes de dégâts, tout ça. Après, il faut mettre des héritages qui en valent le coup, mais bon. Malgré ça, c'est pas dingue. Après, c'est normal, hein, ça reste un marchand. Il a déjà assez d'avantages comme ça. Mais il y a un passage ici aussi. Ce truc là-bas m'intrigue de fou là. Ça sent le raccourci. Après, je peux commencer par ça et on verra. Tout à l'heure, en voyant les frises, j'ai fait la blague sur le lien entre persona et métaphore, mais maintenant je suis un peu déçu. Pourquoi? Arrêtez-vous, nous ne sommes pas seuls. Un monstre souterrain? C'est un nouvel humain? Cette chose? Un humain? Mais que font ces monstres dans la cité perdue? C'est un couteau qu'il a. Leur présence est probablement liée à la mélancolisation croissante. Cet humain a aussi pu être attiré par le dieu dragon. Ils seraient censés éloigner les intrus? Ils font le sale boulot du dieu dragon. Mais pourquoi? Pourquoi le dieu dragon sacré voudrait-il me rejeter? Je suis le sacrifice légitime. On s'en préoccupera plus tard. Cette chose agit bizarrement, comme si elle attendait qu'on passe à l'action. Attendez, que personne ne bouge. Ah, il me semblait bien. Si mes yeux ne me trompent pas, cette chose se déplace en même temps que nous. En anticipant ses mouvements, il est possible de le contourner. Inutile de déclencher un combat, soyons très prudents. Comment ça inutile? Bien sûr qu'on va le déclencher. D'accord, ça fait exactement le même chemin que moi. Non, pas tout à fait. C'est juste quand je bouge, ça avance en fait. Ok. Mmh.
Par contre, je peux pas le taper là. Ah, je veux dire dans le dos. Notre couverture est compromise. On va devoir se battre. C'est précisément ce que je voulais, mon pote. Aucun objet rare. Ça le mérite d'être clair. 45. Ça, ça passe. Ça aussi. Et ça aussi. On pêche l'ennemi quoi. Des oreilles avec un couteau au milieu quoi. Et deux types accrochés aux oreilles. Ouais, pas fameux. J'aurais peut-être dû soigner. Comme lui, il a pas beaucoup de points de vie, il vaut mieux. Tu vas sans doute louper un bâton contre tige. Oh, ça fait bobo. Ah ouais, sacré buff hein. Sacré buff. Je sais que j'ai un truc pour le virer ça, mais bon. Ah, pas loupé, looté. L'allié avec le moins de points de vie est ciblé. Ouais, si tu veux, mon pote. Hein. Ah, moi ça je pouvais pas trop l'esquiver. Ça marche pas beaucoup. Quel petit truc hein. Ouais, il était pas très intéressant malheureusement. Ah. Je ne crois pas que vous ayez anéanti le vrai corps du monstre. Interesting. Alors, j'ai quand même envie d'aller voir en bas. Puis il y a des ascenseurs aussi, c'est peut-être des endroits optionnels.
ignorais qu'on pouvait les affronter. Je prenais du 250 de damage par coup, donc je l'évitais. Ah. Ah, le petit mimique qui va bien là. Hein. Ça faisait longtemps en plus. Bon, évidemment, ils ont toujours cette faiblesse. Ah oui, parce que c'est cyclone. C'est vrai. Il reste combien? 413, bien sûr. Lance foudroyante. Nice. Attends, je suis en quoi là? Explorateur. C'est pas ça que je veux. Pourquoi je les ai pas tués en un coup là? Ok. Trouver ça bizarre. Est-ce que je teste les ascenseurs du coup? Peut-être bien. Il y a des chiffres dessus. C'est non. C'est peut-être pour plus tard. Ça c'est fait, du coup on peut aller à droite. Ah mais elle réapparaît en plus. Je me suis fait un peu rouler quand même là. Alors ça c'est un maxi arbre. Magic Seeker. Il bouge pas? Si un peu. Pas beaucoup. C'est le même que les autres. Je me suis dit comme il est devant la porte, celui-là il est plus différent mais non. Ascenseur 3 et 4. Bizarre, il ne fonctionne pas. Le magla qui l'alimentait doit s'être dissipé. Après tout, il s'agit d'un vieil appareil. Si nous activons la source magique, il devrait fonctionner normalement. Et où peut être cette source? Le sais-tu? Pour accéder au mécanisme, nous allons devoir emprunter un raccourci en utilisant l'ascenseur adjacent. Celui-là fonctionne, je crois, allons-y. Cette musique a un air d'Arvestella, je trouve. Même l'endroit un peu dans la DA. C'est vrai, ça mélange... comment dire... plante et structure, on va dire... contemporaine. Encore un machin comme ça. Woody, il a dû kiffer la zone, c'est clair. Ça lui a donné envie de retourner sur Arvestella et de le finir une troisième fois. Rien du tout ici. À part un arbre. Ah, celui-là, le feu marche pas dessus. Il n'y a pas le même feuillage.
Il est peut-être plus balèze aussi. Non. Bon. Attends, pourquoi il veut que j'aille en bas à gauche là? Il m'a dit l'ascenseur marchait. Il dit que du n'importe quoi le jeu. Les combats rapides de ce jeu sont meilleurs que tous les combats d'Investella. T'es qu'un médisant personnage. Allez, on va finir ce qu'il y a par là. Peut-être bien un coffre. Pas que semblerait-il. Hein. Ah, celui-là j'aime pas. Ah, ça va, maintenant je les canne en un coup. Parce qu'ils sont super chiants quand ils explosent. Oh, des nouveaux. Je sais pas ce qu'ils craignent, soit la glace sans doute. Rien à voler. Sale bête. C'est bien ça. Malheureusement de la glace, j'en ai pas tellement. Hein. Va peut-être falloir en mettre. Cool. Normalement, je suis censé récupérer des PM après les combats, depuis que j'ai augmenté le lien avec... Comment elle s'appelle, Ju? J'ai du mal avec les noms, hein. Juna. Oh merde. J'ai rush un peu trop vite apparemment. Junes. Impossible de dérober, il a des choses. Il a des choses à nous donner. Ma PS5 qui se fige au moment où je sauvegarde, j'ai flippé. Ouais, après t'as la sauvegarde auto, t'inquiète. Mais j'imagine assez bien, ouais. Vous servez beaucoup des attaques d'or? Parce que moi franchement, je trouve que je m'en sers énormément. A mon avis, j'ai bien dû balancer au moins 150 000 balles. C'est non? Ouais, mais toi, c'est normal, t'es un Auvergnat, mec. Seulement au début? Je trouve ça complètement abusé, en fait, cette attaque d'or. Parce que ça a quand même beaucoup de chances de crit. Par contre, j'avais dit que je mettais du feu. Du feu.
Non, pas toi. Tu plus des pattes. Sick. Oui, c'est pratique contre les mimiques, ça c'est sûr. Mais même contre les autres ennemis, je trouve que c'est très intéressant. Ça, je m'en sers pas tellement en fait. Je préfère debuff que buff. En revanche, le pillage vital peut être intéressant en fait. Je m'en sers pas assez. Il y a plein de trucs qui sont intéressants de toute façon. On va finir ça avant. Il n'y a pas un petit passage secret hein. Bizarre cette histoire. Merde, c'était pas la... N'importe quoi. C'est la glace qu'il fallait mettre, pas du feu. Oh là là. On va peut-être la guérir de sa maladie là. C'est pas tellement là que je m'attendais à pop. Et moi. Bête. C'est trop bien, je gagne 600 de thunes parce que je l'ai à classe marchand. Alors j'ai même pas touché. Il y a encore un bonhomme comme ça. Oh, ça va être marrant ça. Encore des humains et pas assez d'espace pour les contourner. Et si nous utilisions le mécanisme pour déplacer la barrière avec un peu d'efficacité, nous pourrions repousser les monstres. Bonne idée, je suis partant. Oh, c'est pas le même. Et par contre, il a pris super cher. Rocher. Feu ou vent? Je dirais vent. Impossible de dérober. C'est pas vent. C'est peut-être feu, mais c'est pas dit que ça passe non plus. Ni le feu.
Bon, il m'a pas fait très mal, il est combien? 45, ça va. Cuirasse en lion des rochers. Évidemment, il fait un souffle de glace. Après, comme je l'ai déjà dit, ça veut rien dire. Des fois, ça passe outre les sorts qu'eux-mêmes font. Qu'est-ce que j'ai pas essayé? La foudre. Je l'ai piqué. Non plus. Donc sans doute une attaque physique. Ça résiste. C'est ça. Donc l'attaque contondante. Ouais. À moi. Oh, c'était mieux. C'est grand quand même par ici. Peut-être finir la partie là-bas. Sur 12, ou ouais. Il y a un truc au-dessus. Est-ce que j'aurais pas loupé un petit passage secret? Je vais aller vérifier. Il n'y a pas l'air. Ça aurait pu être là. Il sera peut-être en haut. Soko ka.
Blitz. Attends, qui craint la lumière, non? Ah, les plantes. Ok. Oh, c'est bien ça. Oh, aussi. Pourquoi je me suis avancé, j'en sais rien. Cool. On va tout activer, hein. Ah non, ça ferme la porte. Ok. Oh oh. Nous sommes pris au piège, et cerise sur le gâteau, une bande d'humains s'en mêle. Un humain? Un humain? Ah, je vais être obligé de le taper, je crois. Réfléchissons. Oui, j'ai pas le choix. Ça va être chiant, cette séquence. Je pouvais l'esquiver? J'ai pas su. Je crois qu'il a rien à piquer. Comment? Foudre. J'ai jamais empoisonné, quoi. En fait, il avance même si tu te coinces contre un mur en courant. Bah là, j'étais contre le mur, mais ça n'a pas suffi. Ah merde, je suis encore en guérisseur. J'avais pas fait gaffe depuis tout à l'heure. Ouais. Ah mais lui, niveau PM, il est bien. Hein. J'avais pas vu. Il est full de chez full. Je sais pas combien il récupère partout, mais il se met bien, quoi. Oh, ça va être relou. Ça va être relou parce que du coup, il va y avoir une défense monstrueuse. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que je mette un truc pour virer son dos.
ça va le garder un moment. Hein. Qui va se faire taper? C'est elle. C'est dommage, ça marche pas. Ça. C'est vrai qu'il kill quand tu fais ça. On va zapper. Femme. Je sais plus ce que je voulais faire, ça. Ça peut être bien. Rush à mort. Non, tu n'as rien loupé. C'est vraiment immense par ici. Hein. Genre vraiment. Vas-y, ceux-là, je vais les laisser. On va bien trouver mon chemin. Ni de l'or, ni de Fanny. Avec ça, je vais aller très loin. Ouais, chauffard là. Je sens qu'il va m'arriver dans le dos, lui. Je vois des feuilles de papier jaunies sur le sol devant moi. J'imagine qu'il s'agit de caractères anciens. Peut-être Kyufa pourrait les lire. Il y a longtemps, mon frère m'a appris à lire l'écriture des anciens. Ce n'est pas une tâche facile, mais je vais faire de mon mieux.
Les dés sont jetés, nul ne peut s'y opposer. Une calamité s'est abattue, une ville engloutie dans les profondeurs de la terre. Alors la calamité, comme ils disent, a causé la chute de cette ville qui s'est retrouvée sous terre. Je me demande en quoi consiste cette calamité, une sorte de catastrophe naturelle ? Je ne sais pas si le terme naturel est adapté à la situation, mais on est sûr de rien. La situation. Est-ce qu'il arrive comme un fou ou pas ? Eh ? On court même pas bien d'abord. On va le laisser passer, j'ai pas encore envie de faire un combat trop long parce que l'autre. Ces PM sont en train de fondre, même si j'ai plein d'objets. Je sais pas combien d'étages il reste. Je préfère ménager tout ça un peu. Alors ceux-là c'est la glace, je crois qu'ils ont rien à brûler. Il me semble qu'ils ont rien. Mine de rien, même à 3 points par tour, ça remonte tout petit, enfin, petit à petit pour elle. C'est très bien aussi. Un katana de brume ardente. Ouh. Sexy chocolat. Mais ça, c'est utile contre eux. Les plantes. Mais du coup ça c'est utile aussi contre les plantes, mais pas contre les serpents. Ouais, j'ai déjà essayé le pillage de PM. C'est bien. C'est bien aussi. Même si la plupart du temps ça rend pas assez, je trouve, mais c'est une autre histoire. Ah ah, double esquive. Merde, je crois que j'ai engagé le mauvais. Non, c'est bon. Ah oui, c'est pas mal. En vérité. Je viens de m'avancer. Malheureusement contre eux, c'est une autre histoire.
juste aller par là voir ce qu'il y a.